Pour les passionnés d'art, la galerie Le 213 est devenue un lieu incontournable. Pour eux, mais pas seulement. En effet, lorsqu'elle a été fondée en 2008, c'était dans le but de démocratiser les expositions. Et depuis 3 ans, pour fêter l'année qui commence, c'est le même rituel. Tous les mois de janvier, depuis 3 ans, l'expo des petits formats s'organise. Cette année, le parti pris, c'était vraiment de montrer des artistes tourangeaux. Donc là, il y a 8 artistes qui sont que de Tours, et de montrer aussi un éventail assez large de leurs compétences. Peinture, sculpture, photo, bijoux sont autant de domaines artistiques mis à l'honneur au 213, pour le plaisir des yeux et en toute convivialité. C'est extrêmement agréable de venir ici. C'est l'occasion de retrouver au moins une fois par an les autres artistes qui exposent là, et de voir leur évolution, la façon dont ils ont mené leur petit bout de chemin. Et puis incontestablement, ça m'apporte quand même la possibilité de toucher une clientèle que moi, de mon côté, j'aurais pas forcément l'occasion de rencontrer, de côtoyer sur d'autres expositions. Vous l'aurez compris, aucune forme d'art n'est laissée pour compte. La galeriste cherche au contraire à favoriser l'expression du talent de chacun et l'émergence de nouveaux artistes. Je considère qu'elle fait un travail elle découvre des jeunes talents qu'elle met en avant, qu'elle pousse. Et ça, c'est quelque chose de formidable sur la place. Parce qu'il n'y a pas souvent des galeristes qui vont au-devant des jeunes créateurs. Et là, elle donne la chance aux jeunes créateurs d'aller de l'avant et de montrer leur travail. Voilà. Et les créateurs de la région. Prochaine exposition au mois de février et mars, ce sera au tour de Pierre Guiton, un peintre originaire de Loches, d'accrocher ses toiles au mur du 213.